Le SPAS est une entreprise très rodée, hein, parce que ça fait depuis 87 que le SPAS existe. Et il y a déjà, je crois, dans cette entreprise-là, 17 permanents qui nous assistent pour effectivement monter notre stand, nous organiser. Concrètement, au niveau du réseau AS, c'est une personne d'AS 35 qui organise ça depuis le mois de mars de l'année pour être prêt, je dirais, au mois de septembre pour cette grande événement. Je dirais deux grands intérêts. Dans un premier temps, donc, c'est de rencontrer des adhérents là-dessus et on les invite à venir retirer leurs cadeaux. Voilà, qui on change annuellement ce type de cadeaux. Deuxième chose, c'est effectivement de rencontrer des adhérents qui sont insatisfaits, qui veulent rencontrer soit la présidente ou le président, ou le directeur ou la directrice, pour dire voilà. Mais c'est aussi des contacts où les gens, sous forme de prospects, viennent en disant on a des problèmes là-dessus avec notre centre de gestion, notre AGC. Compte tenu un peu de la concurrence qu'il peut y avoir dans l'Ouest, c'est une façon d'avoir des contacts. Cette année, je suis très satisfait par rapport au nombre de contacts qu'on va avoir. Maintenant, dans la semaine qui suit ou dans les deux semaines, il va falloir recontacter ces gens pour faire des propositions. Tout à fait, c'est toujours une édition réussie et c'est surtout une richesse de pouvoir échanger au niveau des différents AGC du réseau Grand Ouest, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et aussi d'avoir la visite du national qui vient voir un peu prendre la température de ce qui peut y avoir à l'Ouest, qui sont toujours bien accueillis.